Alors, surprise, retour d'Helvétus, parce qu'en fait, après enquête, il semblerait qu'il y a quand même un artefact dans chaque tombeau, accessoire, et j'ai localisé l'endroit. Malheureusement, nous devrons faire un petit trajet. Alors, il nous faut repartir. Alors, dans l'enquête que j'ai réalisée, on m'a dit que pour l'instant il y aurait encore trois artefacts sur les quatre tombeaux. Mais sachez que ces artefacts n'ont pas pour l'instant de possibilité d'activer quoi que ce soit. Il semblerait en fait qu'il en faille 5 et que ces choses-là n'aient pas été, si j'ai bien compris, totalement encore activées par les programmeurs. Donc, retourner au tombeau principal. Oui, qui était l'objet de la première vidéo, n'apportera rien, semble-t-il. Donc, on doit attendre maintenant. Alors, c'est dommage parce qu'en fait, il semblerait que je n'étais pas si loin de cet élément quand j'ai quitté le tombeau. Mais je ne peux plus y retourner à cause de la glace, donc je suis obligé de faire tout le tour. C'est amusant, ceci, je l'avais déjà cassé. Bizarre. Ah, la glace s'est reformée. Ah. Voilà qui est amusant. Alors. Voilà. C'est quand même pour le fun et surtout pour la conscience d'esprit de se dire que prochainement, peut-être, cela pourra servir à quelque chose. Évidemment que les éléments se soient reformés. Voilà. Alors. Faire comme si nous repartions à la sortie. Ce qui va prendre du temps. Hein. C'est assez vicieux, hein. Ces éléments ne sont pas visibles, même en scannant, on n'a pas réellement l'impression qu'on les trouve facilement. J'étais tombé par hasard dessus, je dirais, lors des précédents tombeaux. C'est la raison pour laquelle, lors de ma précédente vidéo, je vous ai dit, mais je trouve très très étonnant. Qu'il n'y en ait pas de troisième. D'où cette brève vidéo. Ça m'a quand même tenu en haleine. Attendez, là, il y a quelque chose que je n'ai pas fait non plus, je crois. Ouais. C'est regarder. Alors, c'est à la sortie. Parce que, comme lors de la précédente fin de tombeau, j'avais eu tendance, bien sûr, tyrolienne et justement l'artefact est tout en dessous. On ne le voit pas si on passe en l'air. Voilà, il est quelque part en bas, semble-t-il. Donc, je vais descendre. Je pense que c'est là, sauf erreur. Quelque part, il y a un passage. Ouais, il y a un passage ici avec de la glace. Vicieux, ça ne saute pas aux yeux. Et puis là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à prendre? Oui. Voilà, donc c'est ici. Attendez, je prends encore ça. Voilà, et je passe à cet endroit-là. C'est vite fait de le rater, hein, les amis. C'est vraiment vite fait. Alors, il y a plusieurs choses. Voilà, l'artefact est ici. Collecté. Encore une de ces choses. Wenosed. Voilà. On espère un jour pouvoir activer quelque chose au tombeau d'origine. Objets par-ci par-là. Voilà les amis, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à regagner la sortie. Et nous aurons réellement pour l'instant, tant que ces artefacts n'activent rien, terminé ces quêtes des... ouais, magnifique, vraiment splendide.
Quête des trépassés, du tombeau des trépassés. Allez, pour le fun, on va sortir. Et après, je ne vous embête plus sur ce jeu avant un petit moment. J'aurais pu le faire tout à l'heure, mais je ne le savais pas. Et ça m'a titillé quand même, vous voyez. J'ai eu le bon réflexe de me méfier. Ça aurait été dommage de devoir revenir. Voilà, parce que là, vous voyez, depuis la sortie, on ne peut plus remonter ici. La sortie est juste là. Là, vous avez de la glace, vous ne pouvez plus revenir. Voilà, donc nous avons en fait, je vais vous montrer encore dans mon inventaire, hein. Nous avons ces trois artefacts pour l'instant. Il n'y en a pas plus. Après Internet, il n'est pas exclu qu'il y en ait un jour 5 et qu'à partir de ce moment-là, on pourra activer quelque chose au premier tombeau. Mais ce n'est pas d'actualité. Alors, je vais aller là pour montrer. Voilà, tout en bas, je les ai. Désolé pour la caméra rapide. Clac, clac, clac. C'est plus bas. Bas, laissez-le. Voilà, et les voici. Celui que nous avons, il est là. Voilà, nous en avons trois. Tombeau de Vénusios, Casiveionos et Boudica. Voilà les amis. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette dernière vidéo du tombeau des Trépassés avant très longtemps. Et puis, bonne soirée et à bientôt. Au revoir, Delvetus.